Départ à destination de Porto, vol à Portugal, 415. Embarquement immédiat, Porto numéro 39. Departure de Porto, Porto numéro 39. Thank you.
considère, mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah, malheureux, tu as été trahi. Et tu m'as trahi par des espérances trompeuses. Quoi ? Cette absence à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, me privera donc pour toujours de regarder ces yeux dans lesquels je voyais tant d'amour, qui me faisaient connaître des mouvements qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toutes choses et qui enfin me suffisaient. Hélas, les miens sont privés de la seule lumière qui les animait. Il ne leur reste que des larmes, et je ne les ai employées sans cesse qu'à pleurer depuis que j'appris que vous étiez enfin résolu à un éloignement qui m'est si insupportable qu'il me fera mourir en peu de temps. Cependant, il me semble que j'ai quelque attachement pour des malheurs dont vous êtes la seule cause. Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vue, et je sens quelque plaisir en vous la sacrifiant. J'envoie mille fois le jour mes soupirs vers vous. Ils vous cherchent en tout lieu. Et ils ne me rapportent pour toute récompense de tant d'inquiétude qu'un avertissement trop sincère, qui a la cruauté de ne souffrir pas que je me flatte, et qui me dit à tout moment « Cesse, cesse, Marianne infortunée, de te consumer vainement et de chercher un amant que tu ne verras jamais, qui a passé les mers pour te fuir, qui est en France, au milieu des plaisirs, qui ne pense pas un seul moment à tes douleurs et qui te dispense de tous ces transports desquels il ne te sait aucun gré. » Mais non, je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous. Et je suis trop intéressée à vous justifier. Je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oublié. Ne suis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne me plus souvenir de tous les soins que vous avez pris de me donner de l'amour? J'ai été si charmée de tous ces soins que je serais bien ingrate si je ne vous aimais avec les mêmes emportements que ma passion me donnait quand je jouissais des témoignages de la vôtre. Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels? Et faut-il que contre leur nature, ils ne servent qu'à tyranniser mon cœur? Hélas, votre dernière lettre le réduisit en un étrange état. Il eut des mouvements si sensibles qu'il fit, ce semble, des efforts pour se séparer de moi et pour vous aller trouver. Je fus si accablée de toutes ces émotions violentes que je demeurai plus de 3 heures abandonnée de tous mes sens. Je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous, puisque je ne puis la conserver pour vous. Thank you.
Je revis enfin malgré moi la lumière. Je me flattais de sentir que je mourais d'amour. Et d'ailleurs, j'étais bien aise de n'être plus exposée à voir mon cœur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents, j'ai eu beaucoup de différentes indispositions. Mais puis-je jamais être sans mots, tant que je ne vous verrai pas? Je les supporte cependant sans murmurer, puisqu'ils viennent de vous. Quoi? Est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé? Mais il n'importe. Je suis résolue à vous adorer toute ma vie et à ne voir jamais personne. Et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne? Vous trouverez peut-être plus de plaisir et plus de beauté. Vous m'avez pourtant dit autrefois que j'étais assez belle. Mais vous ne trouverez jamais tant d'amour. Et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier. Et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendriez passer quelque temps avec moi. Hélas, pourquoi n'y voulez-vous pas rester toute votre vie? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrai pas en Portugal l'effet de vos promesses. J'irai, sans garder aucune mesure, vous chercher, vous suivre et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être. Je ne veux point nourrir une espérance qui me donnerait assurément quelque plaisir et je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. Pourquoi avez-vous été si acharnée à me rendre malheureuse? Que ne me laissiez-vous en repos dans mon cloître? Vous avais-je fait quelque injure? Mais je vous demande pardon. Je ne suis pas en état de penser à ma vengeance et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant, il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre. Il ne saurait séparer nos cœurs. L'amour, qui est plus fort que lui, les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne, écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez le soin de m'apprendre l'état de votre cœur et de votre fortune. Surtout, venez me voir. Adieu. Je ne puis quitter ce papier. Il tombera entre vos mains. Je voudrais bien avoir le même bonheur. Hélas, insensée que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu. Aimez-moi toujours. Et faites-moi souffrir encore plus de maux.
Il me semble que je fais le plus grand tort du monde aux sentiments de mon cœur de tâcher de vous les faire connaître en les écrivant. Que je serais heureuse si vous en pouviez bien juger par la violence des vôtres. Mais je ne dois pas m'en rapporter à vous. Et je ne puis m'empêcher de vous dire, bien moins vivement que je ne le pense, que vous ne devriez pas me maltraiter comme vous faites, par un oubli qui me met au désespoir et qui est même honteux pour vous. Il est bien juste au moins que vous souffriez que je me plaigne des malheurs que j'avais bien prévus quand je vous vis résolu de me quitter. Je n'ai pas reçu une lettre de vous depuis 6 mois. J'attribue tout ce malheur à l'aveuglement avec lequel je me suis abandonnée à m'attacher à vous. Ne devais-je pas prévoir que mes plaisirs finiraient plus tôt que mon amour? Pouvais-je espérer que vous demeureriez toute votre vie en Portugal et que vous renonceriez à votre fortune et à votre pays pour ne penser qu'à moi? Mes douleurs ne peuvent recevoir aucun soulagement. Le souvenir de mes plaisirs me comble de désespoir. Mes plaisirs seront donc inutiles. Et je ne vous verrai jamais en ma chambre avec tout l'excès, toute l'ardeur et tout l'emportement que vous me faisiez voir. Mais hélas, je m'abuse. Et je ne connais que trop que tous les mouvements qui occupaient ma tête et mon cœur n'étaient excités en vous que par quelques plaisirs et qu'ils finissaient aussitôt que. Il fallait que dans ces moments trop heureux, j'applace ma raison à mon secours, pour modérer l'excès funeste de mes délices et pour m'annoncer tout ce que je souffre présentement. Mais je me donnais tout à vous. Je n'étais pas en état de penser à ce qui eût pu empoisonner ma joie et m'empêcher de jouir pleinement des témoignages ardents de votre passion. Je m'apercevais trop agréablement que j'étais avec vous pour penser que vous seriez un jour éloigné de moi. Je me souviens parfois de vous avoir dit que vous me rendriez malheureuse. Mais ces frayeurs étaient bientôt dissipées et je prenais plaisir à vous les sacrifier et à m'abandonner à l'enchantement et à la mauvaise foi de vos protestations. Je vois bien le remède à tous mes maux. Et j'en serais bientôt délivrée si je ne vous aimais plus. Mais hélas, quel remède! Non, j'aime mieux souffrir davantage que vous oublier. Hélas, cela dépend-il de moi? Je ne puis me reprocher d'avoir souhaité un seul moment de ne vous plus aimer. Je n'envie point votre indifférence, et vous me faites pitié. Vous êtes plus à plaindre que je ne suis. Et il vaut mieux souffrir tout ce que je souffre que de jouir des plaisirs languissants que vous donnent vos maîtresses de France. Je me flatte de vous avoir mis en état de n'avoir sans moi que des plaisirs imparfaits. Et je suis plus heureuse que vous, puisque je suis plus occupée. L'on m'a faite depuis peu portière en ce couvent. Tous ceux qui me parlent croient que je suis folle. Je ne sais ce que je leur réponds. Il faut que les religieux soient aussi insensés que moi pour m'avoir cru capable de quelques soins.
J'envie le bonheur d'Emmanuel et de Francisque. Que ne suis-je incessamment avec vous, comme eux. Je vous aurais suivi, et je vous aurais assurément servi de meilleur cœur. Je ne souhaite rien dans ce monde que vous voir. Au moins, souvenez-vous de moi. Je me contente de votre souvenir, mais je n'ose m'en assurer. Je ne bornais pas mes espérances à votre souvenir quand je vous voyais tous les jours. Mais vous m'avez bien appris qu'il faut que je me soumette à tout ce que vous voudrez. Votre absence rigoureuse et peut-être éternelle ne diminue en rien l'emportement de mon amour. Je veux que tout le monde le sache. Je n'en fais point un mystère. Et je suis ravie d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour vous contre toutes sortes de bienséances. Je ne mets plus mon amour et ma religion qu'à vous aimer éperdument toute ma vie, puisque j'ai commencé à vous aimer. Je ne vous dis point toutes ces choses pour vous obliger à m'écrire. Ah, ne vous contraignez point. Je ne veux de vous que ce qui viendra de votre mouvement. Et je refuse tous les témoignages de votre amour dont vous pourriez vous empêcher. J'aurai du plaisir à vous excuser. Parce que vous aurez peut-être du plaisir à ne pas prendre la peine de m'écrire. Et je sens une profonde disposition à vous pardonner toutes vos fautes. Un officier français a eu la charité de me parler ce matin plus de 3 heures de vous. Il m'a dit que la paix de France était faite. Si cela est, ne pourriez-vous pas me venir voir et m'emmener en France? Je sors le moins qu'il m'est possible de ma chambre. Où vous êtes venu tant de fois. Pourquoi faut-il qu'il soit possible que je ne vous verrai peut-être jamais? M'avez-vous pour toujours abandonné? Je suis au désespoir. Votre pauvre Mariana n'en peut plus. Elle s'évanouit en finissant cette lettre. Adieu. Adieu. Ayez pitié de moi. Qu'est-ce que je deviendrai? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me trouve bien éloignée de tout ce que j'avais prévu. J'espérais que vous m'écririez de tous les endroits où vous passeriez et que vos lettres seraient fort longues. Que vous soutiendriez ma passion par l'espérance de vous revoir.
et que je pourrai en avoir quelque repos. Je connais présentement la mauvaise foi de tous vos mouvements. Vous m'avez trahi toutes les fois que vous m'avez dit que vous étiez ravi d'être seul avec moi. Je ne dois qu'à mes importunités, vos empressements et vos transports. Vous aviez fait un dessein de sang-froid de m'enflammer. Vous n'avez regardé ma passion que comme une victoire et votre cœur n'en a jamais été profondément touché. N'êtes-vous pas bien malheureux? Et n'avez-vous pas bien peu de délicatesse de n'avoir su profiter qu'en cette manière de mes emportements? Et comment est-il possible qu'avec tant d'amour, je n'ai pu vous rendre tout à fait heureux? Je ne puis suffire à mes mots. Comment pourrais-je supporter la douleur que me donneraient les vôtres, qui me seraient mille fois plus sensibles? Je ne sais pourquoi je vous écris. Je vois bien que vous aurez seulement pitié de moi, et je ne veux point de votre pitié. J'ai bien du dépit contre moi-même quand je fais réflexion sur tout ce que je vous ai sacrifié. J'ai perdu ma réputation. Je me suis exposée à la fureur de mes parents, à la sévérité des lois de ce pays contre les religieuses, et à votre ingratitude, qui me paraît le plus grand de tous les malheurs. Cependant, je sens bien que mes remords ne sont pas véritables, et que je voudrais du meilleur de mon cœur avoir couru pour l'amour de vous de plus grands dangers. Et que j'ai un plaisir funeste d'avoir hasardé ma vie et mon honneur. Tout ce que j'ai de plus précieux ne devait-il pas être en votre disposition? Et ne dois-je pas être bien aise de l'avoir employé comme j'ai fait? Il me semble même que je ne suis guère contente, ni de mes douleurs, ni de l'excès de mon amour. Quoique je ne puisse, hélas, me flatter assez. Je vis, infidèle que je suis, et je fais autant de choses pour conserver ma vie que pour la perdre. Oh, j'en meurs de honte. Mon désespoir n'est donc que dans mes lettres. Si je vous aimais autant que je vous l'ai dit mille fois, ne serais-je pas morte il y a longtemps? Une fin tragique vous obligerait sans doute à penser souvent à moi, et vous seriez peut-être sensiblement touchée d'une mort extraordinaire. Ne vaut-elle pas mieux que l'état où vous m'avez réduite? Adieu, je voudrais bien ne vous avoir jamais vu. Je sens vivement la fausseté de ce sentiment. Et je connais dans le moment que je vous écris que j'aime bien mieux être malheureuse en vous aimant que de ne vous avoir jamais vu. Je consens donc sans murmure à ma mauvaise destinée, puisque vous n'avez pas voulu la rendre meilleure. Adieu. Promettez-moi de me regretter tendrement si je meurs de douleur, et qu'au moins la violence de ma passion vous donne du dégoût et de l'éloignement pour toute chose. Cette consolation me suffira. Et s'il faut que je vous abandonne pour toujours, je voudrais bien ne vous laisser pas à une autre. Je vous écris des lettres trop longues. J'ose espérer que vous aurez quelque indulgence pour une pauvre insensée qui ne l'était pas, comme vous savez, avant qu'elle vous aimât. Cependant, je vous remercie dans le fond du cœur du désespoir que vous me causez. Et je déteste la tranquillité où j'ai vécu avant que je vous connusse. Adieu. Ma passion augmente à chaque moment. Que j'ai de choses à vous dire.
Votre lieutenant vient de me dire qu'une tempête vous a obligé de relâcher au royaume d'Algarve. Je crains que vous n'ayez beaucoup souffert sur la mer. Cette appréhension m'a tellement occupée que je n'ai plus pensé à tous mes maux. Êtes-vous bien persuadé que votre lieutenant prenne plus de part que moi à tout ce qui vous arrive? Pourquoi en est-il mieux informé? Et enfin, pourquoi ne m'avez-vous point écrit? Je suis bien malheureuse. Si vous n'en avez trouvé aucune occasion depuis votre départ, je la suis bien davantage si vous en avez trouvé sans m'écrire. Votre injustice et votre ingratitude sont extrêmes. Mais je serai au désespoir si elle vous a tiré quelque malheur. Et je préfère bien mieux qu'elle demeure sans punition que si j'en étais vengée. Je résiste à toutes les apparences qui me devraient persuader que vous ne m'aimez guère. Et je prends bien plus de disposition à m'abandonner aveuglément à ma passion qu'aux raisons que vous prenez de me plaindre de votre peu de soin. Que vous m'auriez épargné d'inquiétude si votre procédé eût été aussi languissant les premiers jours que je vous vis qu'il m'a paru depuis quelque temps. Mais qui n'aurait été abusé, comme moi, par tant d'empressement, et à qui n'eût-il pas paru sincère? De peine à se résoudre à soupçonner longtemps la bonne foi de ceux qu'on aime. Je vois bien que la moindre excuse vous suffit. Et sans que vous preniez le soin de m'en faire, l'amour que j'ai pour vous vous sert si fidèlement que je ne puis consentir à vous trouver coupable que pour jouir du sensible plaisir de vous justifier moi-même. Vous m'avez consommé par vos assiduités. Vous m'avez enflammé par vos transports. Mon inclination violente m'a séduite. Et les suites de ces commencements, si agréables et si heureux, ne sont que des larmes, que des soupirs et qu'une mort funeste sans que je puisse y porter aucun remède. Il est vrai que j'ai eu des plaisirs bien surprenants en vous aimant, mais ils me coûtent d'étranges douleurs. Et tous les mouvements que vous me causez sont extrêmes. Si j'avais résisté avec opiniâtreté à votre amour, si je vous avais donné quelques sujets de chagrin et de jalousie pour vous enflammer davantage, si vous aviez remarqué quelques mouvements artificieux dans ma conduite, si j'avais enfin voulu opposer ma raison à l'inclination naturelle que j'ai pour vous, vous pourriez me punir sévèrement et vous servir de mon désespoir. Mais vous me parûtes aimable. Avant que vous m'eussiez dit que vous m'aimiez, vous me témoignâtes une grande passion. J'en fus ravie et je m'abandonnai à vous aimer éperdument. Vous n'étiez point abusé comme moi. Pourquoi avez-vous donc souffert que je devins en l'état où je me trouve? Qu'est-ce que vous vouliez faire de tous mes emportements qui ne pouvait vous être que très importun? Vous saviez bien que vous ne seriez pas toujours en Portugal. Pourquoi m'y avez-vous voulu choisir pour me rendre si malheureuse? Vous eussiez sans doute trouvé en ce pays quelque femme qui eût été plus belle, avec laquelle vous eussiez eu autant de plaisir, puisque vous n'en cherchiez que de grossiers, qui vous eût fidèlement aimé aussi longtemps qu'elle vous eût vue, et que votre cœur eût pu consoler de votre absence. Ce procédé est bien plus d'un tyran attaché à persécuter que d'un amant qui ne doit penser qu'à plaire. Hélas ! Pourquoi ?
Pourquoi exercez-vous tant de rigueur sur un cœur qui est à vous? Je vois bien que vous êtes aussi facile à vous laisser persuader contre moi que je l'ai été à me laisser persuader en votre faveur. J'aurais résisté, sans avoir besoin de tout mon amour, et sans m'apercevoir que j'eusse rien fait d'extraordinaire, à de plus fortes raisons que ne peuvent être celles qui vous ont obligé à me quitter. Elles m'eussent paru bien faibles, et il n'y en a point qui eussent jamais pu m'arracher d'auprès de vous. Mais vous avez voulu profiter des prétextes que vous avez trouvés de retourner en France. Un vaisseau partait, que ne le laissiez-vous partir? Votre famille vous avait écrit. Ne savez-vous pas toutes les persécutions que j'ai souffertes de la mienne? Votre honneur vous engageait à m'abandonner. Ai-je pris quelque soin du mien? Vous étiez obligé d'aller servir votre roi. Si tout ce qu'on dit de lui est vrai, il n'a aucun besoin de votre secours et il vous aurait excusé. J'étais trop heureuse si nous avions passé notre vie ensemble. Mais puisqu'il fallait qu'une absence cruelle nous séparât, il me semble que je dois être bien aise de n'avoir pas été infidèle. Et je ne voudrais pas, pour toutes les choses du monde, avoir commis une action si noire. Quoi? Vous avez connu le fond de mon cœur et de ma tendresse, et vous avez pu vous résoudre à me laisser pour jamais et à m'exposer aux frayeurs que je dois avoir, que vous ne vous souvenez plus de moi que pour me sacrifier à une nouvelle passion. Je vois bien que je vous aime comme une folle. Tout le monde s'est aperçu du changement entier de mon humeur, de mes manières et de ma personne. Ma mère m'en a parlé avec aigreur et ensuite avec quelque bonté. Je ne sais ce que je lui ai répondu. Il me semble que je lui ai tout avoué. Les religieuses les plus sévères ont pitié de l'état où je suis. Il leur donne même quelques considérations et quelques ménagements pour moi. Tout le monde est touché de mon amour. Et vous demeurez dans une profonde indifférence. Sans m'écrire que des lettres froides, pleines de redites. La moitié du papier n'est pas remplie et il paraît grossièrement que vous mourrez d'envie de les avoir achevées. Donia Britège me persécuta ces jours passés pour me faire sortir de ma chambre. Et croyant me divertir, elle me mena promener sur le balcon d'où l'on voit Mertela. Je la suivis. Et je fus aussitôt touchée d'un souvenir cruel qui me fit pleurer tout le reste du jour. Elle me ramena et je me jetai sur mon lit où je fis mille réflexions sur le peu d'apparence que je vois de ne guérir jamais. Ce qu'on fait pour me soulager aigrit ma douleur et je retrouve dans les remèdes même des raisons particulières de m'affliger. Je vous ai vu souvent passer en ce lieu avec un air qui me charmait. Et j'étais sur ce balcon, le jour fatal que je commençais à sentir les premiers effets de ma passion malheureuse. Il me sembla que vous voulissiez me plaire, quoique vous ne me connaissiez pas. Je m'imaginais que vous m'aviez remarqué entre toutes celles qui étaient avec moi. J'admirasse votre adresse et votre bonne grâce lorsque vous passiez avec votre cheval. J'étais surprise de quelques frayeurs lorsque vous le faisiez passer dans des endroits difficiles. Enfin, je m'intéressais secrètement à toutes vos actions. Je prenais pour moi tout ce que vous faisiez. Vous ne connaissez que trop les suites de ces commencements. Et quoique je n'ai rien aménagé, je ne dois pas vous les écrire, de crainte de vous rendre plus coupable, s'il est possible que vous ne l'êtes. Vous ne le serez point. Votre procédé injuste ne me laisse pas la moindre raison d'en douter. Et je dois tout appréhender puisque vous m'avez abandonné. Vous me fîtes il y a 5 ou 6 mois une fâcheuse confidence.
Et vous m'avouâtes de trop bonne foi que vous aviez aimé une dame en votre pays. Si elle vous empêche de revenir, mandez-le-moi sans ménagement. Quelque reste d'espérance me soutient encore et je serai bien aise, si elle ne doit avoir aucune suite, de la perdre tout à fait. Ou de me perdre moi-même. Envoyez-moi son portrait, avec quelqu'une de ses lettres, et écrivez-moi tout ce qu'elle vous dit. J'y trouverai peut-être des raisons de me consoler ou de m'affliger davantage. Je voudrais aussi avoir le portrait de votre frère et de votre belle-sœur. Tout ce qui vous est quelque chose m'est fort cher, et je suis entièrement dévouée à ce qui vous touche. Je ne me suis laissée aucune disposition de moi-même. Il y a des moments où il me semble que je pourrais être jalouse, sans vous déplaire, de celle que vous aimez. Il y a longtemps qu'un officier attend votre lettre. J'avais résolu de l'écrire de manière à vous la faire recevoir sans dégoût, mais elle est trop extravagante. Il faut la finir. Hélas, il n'est pas en mon pouvoir de m'y résoudre. Il me semble que je vous parle quand je vous écris et que vous m'êtes un peu plus présent. Il y aura un an, dans peu de jours, que je m'abandonnais tout à vous sans ménagement. Votre passion me paraissait fort ardente et fort sincère. Et je n'aurais jamais cru que mes faveurs vous eussent obligé à faire 500 lieues et à vous exposer à des naufrages pour vous en éloigner. Personne ne m'était redevable d'un pareil traitement. Vous pouvez vous souvenir de ma pudeur, de ma confusion et de mon désordre, mais vous ne vous souvenez pas de ce qui vous engagerait à m'aimer malgré vous. Adieu. J'ai plus de peine à finir cette lettre que vous n'en avez eu à me quitter peut-être pour toujours. Adieu. Je n'ose vous donner mille noms de tendresse, ni m'abandonner sans contrainte à tous vos mouvements. Je vous aime mille fois plus que ma vie, et mille fois plus que je ne pense. Que vous m'êtes cher, et que vous m'êtes cruel. Vous ne m'écrivez point. Aussi bien la longueur de ma lettre vous fera peur, vous ne la lirez point. Qu'est-ce que j'ai fait pour être si malheureuse? Et pourquoi avez-vous empoisonné ma vie? Que ne suis-je née en un autre pays? Adieu!
Je vous écris pour la dernière fois et j'espère vous faire connaître par la différence des termes et de la manière de cette lettre que vous m'avez enfin persuadé que vous ne m'aimiez plus et qu'ainsi je ne dois plus vous aimer. Je vous renverrai donc par la première voie tout ce qui me reste encore de vous. Ne craignez pas que je vous écrive. Je ne mettrai pas même votre nom au-dessus du paquet. J'ai chargé de tout ce détail Donna Britesh, que j'avais accoutumée à des confidences bien éloignées de celle-ci. Ses soins me seront moins suspects que les miens. Elle prendra toutes les précautions nécessaires afin de pouvoir m'assurer que vous avez reçu le portrait et les bracelets que vous m'avez donnés. Je veux cependant que vous sachiez que je me sens depuis quelques jours en état de brûler et de déchirer ces gages de votre amour qui m'étaient si chers. Je n'aurais jamais cru que j'eusse pu devenir capable d'une telle extrémité. Je vous avoue, à ma honte et à la vôtre, que je me suis trouvée plus attachée que je ne veux vous le dire à ces bagatelles, et que j'ai senti que j'avais un nouveau besoin de toutes mes réflexions pour me défaire de chacune en particulier, lors même que je me flattais de n'être plus attachée à vous. Mais on vient à bout de tout ce qu'on veut, avec tant de raisons. Je les ai mises entre les mains de Donna Britesh. Que cette résolution m'a coûté de larmes. Après 1000 mouvements et 1000 incertitudes que vous ne connaissez pas et dont je ne vous rendrai pas compte assurément, je l'ai conjurée de ne m'en parler jamais, de ne me les rendre jamais, quand même je les demanderai pour les revoir encore une fois, et de vous les renvoyer enfin sans m'en avertir. L'orgueil ordinaire de mon sexe ne m'a point aidée à prendre des résolutions contre vous, hélas. J'ai souffert votre mépris. J'eusse supporté votre haine et toute la jalousie que m'eût donné l'attachement que vous eussiez pu avoir pour une autre. J'aurais eu au moins quelques passions à combattre, mais votre indifférence m'est insupportable. Vos impertinentes protestations d'amitié et les civilités ridicules de votre dernière lettre m'ont fait voir que vous aviez reçu toutes celles que je vous ai écrites, qu'elles n'ont causé dans votre cœur aucun mouvement et que cependant vous les avez lues. Ingrat. Je suis encore assez folle pour être au désespoir de ne pouvoir me flatter qu'elles ne soient pas venues jusque à vous et qu'on ne vous les ait pas rendues. Je déteste votre bonne foi. Vous avais-je prié de me demander sincèrement la vérité? Que ne me laissiez-vous ma passion? Vous n'aviez qu'à ne me point écrire. Je ne cherchais pas à être éclaircie. Ne suis-je pas bien malheureuse de n'avoir pu vous obliger à prendre quelque soin de me tromper et de n'être plus en état de vous excuser? Sachez que je m'aperçois que vous êtes indigne de tous mes sentiments et que je connais toutes vos méchantes qualités. Cependant, si tout ce que j'ai fait pour vous peut mériter que vous ayez quelques petits égards pour les grâces que je vous demande, je vous conjure de ne m'écrire plus et de m'aider à vous oublier entièrement. Je ne veux point savoir le succès de cette lettre. Ne troublez pas l'état que je me prépare. Il me semble que vous pouvez être content des maux que vous me causez, quelque dessein que vous eussiez fait de me rendre malheureuse. Ne m'ôtez point de mon incertitude. J'espère que j'en ferai avec le temps quelque chose de tranquille. Je vous promets de ne vous point haïr. Je me défie trop des sentiments violents pour oser l'entreprendre.
Je suis persuadée que je trouverai peut-être en ce pays un amant plus fidèle et mieux fait. Mais hélas, qui pourra me donner de l'amour? La passion d'un autre m'occupera-t-elle? La mienne a-t-elle pu quelque chose sur vous? N'éprouvais-je pas qu'un cœur attendri n'oublie jamais ce qu'il a fait apercevoir des transports qu'il ne connaissait pas et dont il était capable? Que ses premières idées et que ses premières blessures ne peuvent être ni guéries, ni effacées. Que tous les souvenirs qui cherchent à le contenter ne lui servent qu'à lui faire bien connaître, que rien ne lui est si cher que le souvenir de ses douleurs. Je cherche en ce moment à vous excuser. Je comprends bien qu'une religieuse n'est guère aimable d'ordinaire. Cependant, il semble que si on était capable de raison dans les choix qu'on fait, on devrait plutôt s'attacher à elle qu'aux autres femmes. Il me semble qu'il n'est pas fort agréable de voir celle qu'on aime toujours distraite par mille bagatelles. Et il faut avoir bien peu de délicatesse pour souffrir qu'elle ne parle que d'assemblée, d'ajustement et de promenade. Qui peut s'assurer qu'elle n'a aucun plaisir dans toutes ces occasions et qu'elle souffre toujours leur mari avec un extrême dégoût et sans aucun contentement? Se défier d'un amant qui ne leur fait pas rendre un compte bien exact là-dessus, qui croit aisément et sans inquiétude ce qu'elles lui disent, et qui les voit toujours avec beaucoup de confiance et de tranquillité sujette à tous ses devoirs. Mais je ne prétends pas vous prouver par de bonnes raisons que vous deviez m'aimer. Ce sont de très méchants moyens et j'en ai utilisé de beaucoup meilleurs qui n'ont point réussi. Je connais trop bien mon destin pour tâcher à le surmonter. Je serai malheureuse toute ma vie. Ne l'étais-je pas en vous voyant tous les jours? Je mourrais de frayeur que vous ne me fussiez pas fidèle. J'appréhendais pour vous la colère de mes parents. Je voulais vous voir tous les jours et cela n'était pas possible. Si vous m'aviez témoigné, si vous m'aviez donné quelques témoignages de votre passion depuis que vous n'êtes plus au Portugal, j'aurais fait tous mes efforts pour en sortir. Je me fusse déguisée pour vous aller trouver. Hélas, qu'est-ce que je fusse devenue si vous ne vous fussiez plus souciée de moi après que j'eusse été en France? Quel désordre! Quel égarement, quel comble de honte pour ma famille qui m'est fort chère depuis que je ne vous aime plus. Vous voyez bien que je connais de sang-froid qu'il était possible que je fusse encore plus à plaindre que je suis. Et je vous parle au moins raisonnablement une fois en ma vie. Que ma modération vous plaira et que vous serez content de moi, je ne veux point le savoir. Je vous conjure de ne m'écrire plus. Et je vous en conjure encore.
N'avez-vous jamais fait quelques réflexions sur la manière dont vous m'avez traité? Ne pensez-vous pas que vous m'avez traité de la pire façon au monde? Je vous ai aimée comme une insensée. Que de mépris j'ai eu pour toute chose. Procédé n'est point d'un honnête homme. Je me suis laissée enchanter par des qualités très médiocres. Qu'avez-vous fait qui dût me plaire? N'avez-vous pas cherché mille autres plaisirs? Avez-vous renoncé au jeu et à la chasse? N'êtes-vous pas parti le premier pour aller à l'armée? N'en êtes-vous pas revenu après tous les autres? Vous vous y êtes exposé follement, quoique je vous eusse prié de vous ménager pour l'amour de moi. Vous n'avez point cherché les moyens de vous établir en Portugal, où vous étiez estimé. Une lettre de votre frère vous en a fait partir sans hésiter un moment. Et n'ai-je pas su que durant le voyage, vous avez été de la plus belle humeur du monde? Il faut avouer que je suis obligée à vous haïr mortellement. Je me suis attirée tous mes malheurs. Je vous ai d'abord accoutumé à une grande passion, avec trop de bonne foi. Mais il faut de l'artifice pour se faire aimer. Il faut choisir avec quelque adresse les moyens d'enflammer. Et l'amour tout seul ne donne point de l'amour. Vous vouliez que je vous aimasse. Et comme vous aviez formé ce dessein, il n'y a rien que vous n'eussiez fait pour y parvenir. Vous vous fussiez même résolu à m'aimer, s'il eût été nécessaire. Mais vous avez connu que vous pouviez réussir dans votre entreprise sans passion, et que vous n'en aviez aucun besoin. Croyez-vous avoir pu impunément me tromper? Si quelque hasard vous ramenait en ce pays, je vous déclare que je vous livrerai à la vengeance de mes parents. J'ai vécu longtemps dans un abandonnement et dans une idolâtrie qui me donne de l'horreur. Et mon remords me persécute avec une rigueur insupportable. Je sens vivement la honte des crimes que vous m'avez fait connaître. Et je n'ai plus, hélas, la passion qui m'empêchait d'en connaître l'énormité. Quand est-ce que mon cœur ne sera plus déchiré? Quand est-ce que je serai délivrée de cet embarras cruel? Cependant,
Je crois que je ne vous souhaite point de mal et que je me résoudrai à consentir que vous fussiez heureux. Mais comment pourrez-vous l'être si vous avez le cœur bien fait? Je veux vous écrire une autre lettre pour vous faire voir que je serai peut-être plus tranquille dans quelque temps. Que j'aurai de plaisir de pouvoir vous reprocher vos procédés injustes après que je n'en serai plus si vivement touchée. Je demeure d'accord que vous avez de grands avantages sur moi et que vous m'avez donné une passion qui m'a fait perdre la raison. Mais vous devez en tirer peu de vanité. J'étais jeune, j'étais crédule. On m'avait enfermée dans ce couvent depuis mon enfance. Je n'avais vu que des gens désagréables. Je n'avais jamais entendu les louanges que vous me donniez incessamment. Il me semblait que je vous devais les charmes et la beauté que vous me trouviez et dont vous me faisiez apercevoir. J'entendais dire du bien de vous. Tout le monde me parlait en votre faveur. Vous faisiez tout ce qu'il fallait pour me donner de l'amour. Mais je suis enfin revenue de cet enchantement. Vous m'avez donné de grands secours et j'avoue que j'en avais un extrême besoin. En vous renvoyant vos lettres, je garderai soigneusement les deux dernières que vous m'avez écrites. Et je les relirai encore plus souvent que je n'ai lu les premières, afin de ne retomber plus dans mes faiblesses. Ah, qu'elles me coûtent cher, et que j'aurais été heureuse si vous eussiez voulu souffrir que je vous eusse toujours aimée. Je connais bien que je suis encore un peu trop occupée de mes reproches et de votre infidélité. Mais souvenez-vous que je me suis promis un état plus paisible et que j'y parviendrai. Ou que je prendrai contre moi quelques résolutions extrêmes que vous apprendrez sans beaucoup de déplaisir. Mais je ne veux plus rien de vous. Je suis une folle de redire les mêmes choses si souvent. Il faut vous quitter et ne pensez plus à vous. Je crois même que je ne vous écrirai plus. Suis-je obligée de vous rendre un compte exact de tous mes divers mouvements? Thank you.